Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hearthstone pour la deuxième L du Mont Roche Noir. Donc la deuxième L du Mont Roche Noir en mode normal et les défis de classe. On va regarder un petit peu ce que valent les boss avant de bien sûr préparer la vidéo pour le mode héroïque qui sera lui évidemment beaucoup plus compliqué. Alors de ce que j'ai regardé déjà, de ce que j'ai vu, les boss sont déjà beaucoup plus difficile et beaucoup plus marrant du coup. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le mode normal du coup et par notre ami Gare est un des lieutenants de Ragnaros. Vous n'êtes plus très loin. Gare. Donc on va commencer par Gare. Son pouvoir pour un c'est il inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc et sa carte qui donne c'est la carte une de carte druide, la druidesse de la flamme qui fait soit une 2-5 soit une 5-2. Bon, on va y aller. Donc j'ai fait déjà des petits decks en parcourant les internets et tout. Donc normalement c'est les decks pour le boss héroïque. Mais bon, ça devrait passer aussi pour le boss normal. Donc on va directement jouer avec des decks de génie. Et salut à tous ceux qui sont sur le chat et qui regardent le live. Donc voilà, alors c'est parti. Gare. Donc voilà, il a... Donc il a des créatures. Oh, pas mal ça. Il a des créatures 0-5 et quand elles meurent. Alors attendez, on va lire. Gare à vous. MDR. Donc voilà, Lich du feu, râle d'agonie, inflige un point de dégâts au héros adverse pour chaque Lich du feu mort pendant ce tour. Donc s'il y a par exemple deux mobs comme ça qui meurent pendant le tour, bah, ça inflige chacun 2. Si les 7 meurent d'un coup, bah, je prends 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Donc il faut faire attention. Magma! Alors, on va jouer. On va jouer ça. Alors, on va voir si on... Attention à ces choses rocheuses, vous voulez bien? Faites attention à ces choses grosseuses, vous voulez bien. Alors là, est-ce qu'il va me la tuer? Et du coup, je serais très déçu, évidemment. Bon, du coup, là, je suis pas très bien. Parce que là, ça va m'arriver dans la bouche. Je pense que je vais mettre ça. On va voir. Parce que là, je le sens déjà pas bien. Parce que j'ai toujours pas tué un seul truc. Ça va être compliqué. Mais ça peut le faire, mais c'est compliqué. Alors là, je pense que faut que j'en tue au moins 3. Donc je vais prendre quelques dégâts. J'aurais dû faire ça avant. Je vais faire ça comme ça. Voilà. N'allez pas vous faire exploser. Donc là, je vais prendre un. J'ai encore un seigneur élémentaire à bannir. Ok. Oh non, mais il en invoque. Oh le schlag. Bon, c'est pas très grave. Ok, bon là, ça me va. Ensuite, un berserker Gurubashi, c'est pas mal ça. Alors, il faut que j'en tue une. Non, celle-là je vais. Voilà. Voilà. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Donc là je vais reprendre 2 et 2. Bon, ça va pour l'instant. Ok. Ensuite je vais prendre ça. Je vais mettre ça. On va tuer celle-ci. Et on va attaquer comme ça. Voilà. Donc là, il va réutiliser son pouvoir, il va en tuer une. Là, ça devrait être bon. Enfin, ça dépend, je sais pas quelle carte il a en fait. Bon, je fais 1 milliard d'armure. Et je fais des créatures un peu puissantes. Oh là là, oh là là, beaucoup d'effets, beaucoup trop d'effets. Beaucoup trop de... Oh non! Non, me dis pas qu'il a de quoi la tuer. Non, bon, c'est bon alors. Ça va. Du coup, on va mettre un saccagé sur lui. Pour qu'il résiste encore. Bon, ça sert pas à grand chose du coup, maintenant, mais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue ça? Ou est-ce qu'on s'en bat? Non, mais il va le tuer. Donc, du coup, on va mettre ça.
Et on va tout péter. Bon, normalement on devrait avoir gagné, normalement ça devrait bien se passer. Là, je fais tellement d'armure. Ok, encore de l'armor. Peut-être que c'est les tours sont pas très longs. Hein. J'ai fait 14 d'armure. Et j'ai gagné. Bien joué. Voilà, allez, TG. Au revoir. Voilà, bon, facile avec ce deck évidemment. Ragnaros. Ragnaros ou Ragnaros? Pourquoi il dit Ragnaros? Bon, on l'a baisé, normal. Le baron Guédon. Alors le baron Guédon, lui, son pouvoir est plus relou, c'est-à-dire que si vous dépensez pas pile le mana nécessaire, vous prenez 5, je crois. Donc le baron Guédon. Vous l'avez cherché. Eh bien oui. Alors j'ai pas de drop 1, je crois, donc c'est pas très grave. Je sais plus pourquoi j'ai pris ce deck en fait. Ok, c'est pas grave, on va voir. On va voir, mais on a rien à jouer autour autour 1. Bon, c'est pas très grave. Oh, brûlez. Ok. Bon, là on va faire ça du coup. Alors, qu'est-ce qu'il joue pour 3? Oui, bon, ça je m'en fous. On va mettre ça. Donc, ah oui, ça. Ok. C'est un petit mage Frost. Ça devrait le faire, je pense. Parfait. Ça qu'ils vont voir. Ok, pour l'instant ça se passe. Évidemment une 7-6. Ah! Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait, mais bon. Du coup je récupère quoi? Un bloc de glace. Waouh! Un chevalier noir, le truc un peu nul, mais bon, c'est pas grave, on va. Ouais, ouais, ouais. Épargne-moi tes. Ok. Faut jouer une tarte sur celui-là, c'est plus simple. Ouais, peut-être. Ah, il me rush moi. Enfin, tu sais que le mec a aucun. Ah, mais merde, j'ai pas d'autre secret, oui, c'est vrai. Il a aucun. Scrupule, quoi. Ok. Bon, là il me faudrait mes géants qui arrivent dans peu de temps. Parce que sinon je vais juste me faire rouler dessus. Un peu de la merde. Tic-tac. Ça je m'en fous. Ça c'est plus chiant. Alors. Je suis invincible. Oh, j'aurais dû faire écho de Medivh avant, mais quel con. Bon, c'est pas très grave. Alors il faut que je fasse 9 de mana. Du coup. Ok. Ok.
Et voilà, on est pas mal là. Oh, une petite explosion de lave. Le mec se met pas en surcharge du tout. Oh non, mais l'enfoiré. Il enlève sa surcharge. Bien joué, ça, frérot. Bon. Mais putain, mais j'en ai trop de savants fous. Alors, 10. Est-ce que j'ai pour 10? Non, mais je m'en fous, en fait. Je vais juste pas jouer pour 10 et c'est pas très grave. Hein. Je vais prendre 5, mais c'est pas grave. En fait, normalement, j'ai des géants qui sont censés arriver. Juste là, les géants ne viennent pas, en fait. Allô, les géants. Les géants sont demandés à l'accueil. Waouh. J'ai aucune carte intéressante qui est sortie là. Je sers le seigneur du feu. Ouais, le seigneur du feu, ouais. Ah, géant. Tu sais que c'est pas un peu tard maintenant hein. Alors il va me remettre 5. Oh, il va à l'aggro, ça c'est bon ça. Je le fais piocher par contre. Il a pas utilisé son pouvoir. Mais il est con. Mais il est totalement con. On va virer Jeeves. Bon là ça devrait se passer maintenant. Ah non, ça c'est chiant. C'est ça 5 à toute ta table ou pas? Ah oui. C'est relou ça. Bon, piochon. Pas mal ça. Ça va, oui ça va. Y'a pas de soucis, ça va. Ah lui aussi il a des gens de lave le petit gamin. Ouais. Moi aussi j'en ai des gens de lave alors. Sauf que là j'ai perdu. Ah bah non j'ai pas perdu. Mais non j'ai pas perdu. J'ai gagné en fait, j'avais pas vu. J'avais de l'étal. Et voilà, bien joué mon ami. Facile. Armageddon. Oui. Technicienne de l'aile noire. Plus en plus ça si j'ai un dragon en main. Donc la carte on l'avait déjà vue. Elle est pas mal. Allez on a Ragnaros maintenant. Ouais allez TG. Hop. Je te roule dessus. Insulte entre les adversaires. Voilà bah je viens de le faire. TG. Arrêt de la fête des brasseurs. Uther contre le chambellan exécutus. Le chambellan exécutus. Le serviteur de Ragnaros. Voyons si nous pouvons le forcer à invoquer le seigneur du feu pour nous. D'accord. Non mais lui j'aime bien, il parle, mais après je vais lui casser la bouche aussi. Hein. Je combattrai avec honneur. Alors on est parti. Je commence. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Vous croyez avoir déjà gagné. Vous avez sans doute besoin que je vous inflige quelques douleurs supplémentaires. Quelques douleurs supplémentaires. Alors, là, on va lui mettre ça dessus. Et comme un bouffon, il va faire que attaquer, je suis sûr. Il va me faire piocher à l'infini le vilain, le gentil. Allez vas-y, fais-moi piocher. Voilà, bien joué frérot. T'as tout compris au game.
Bien joué ça en tout cas. Et merci pour le don. Don. T'es trop fort, apprends-moi. Mais lol. Chexy. What the fuck. What the fuck. Bah merci à toi pour le don de 5 boulas. Alors, je sais pas si c'est vraiment Chexy ou pas, ça m'étonnerait. Je vais faire profil. Je vais inspecter son profil. Ah oui, c'est vraiment Chexy. D'accord. Eh bien, merci Chexy. Alors, Chexy qui regarde comment jouer à Hearthstone. Mais what the fuck, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Chexy? Qu'est-ce que tu fais? Bon, du coup, elle m'a totalement brun. Du coup, je ne sais que faire. Alors, on va faire ça. Voilà. Mince, il faut en plus que je mette Chexy en top donateur. Est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, Chexy. 5 boulas. Ah. Pour le chambellan. Alors merde, du coup j'ai rien regardé du tout à la game. Et du coup je vais perdre à cause de Chexy, bravo. C'est le pire. Je joue mage. Alors. Bon, on va jouer ça. On va aller... Est-ce qu'on tue ça? Ça, il continue de nous faire piocher. J'ai presque envie de pas faire de token, comme ça il est obligé de me face et de faire piocher. Je joue mage. Mage, c'est bien, mage. C'est la meilleure classe. Alors, calme-toi, le chambellan, là. Oh, Tyrion Fordringue. Quelle bonne idée. Bon, alors là, on va mettre l'empereur Torisan. Tout à puissante. C'est un belge, il dit puissante. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais tuer sa merde ou pas? Non, on va rien faire. On a encore tellement de points de vie. On s'en fout. Comment vas-tu? Ben, moi ça va. Ça va plutôt pas mal. Boule de feu carrément, ah oui. Il m'énerve le mec. Pour le chambellan. Et là encore une carte gratuite. Voilà. Bon, maintenant par contre, il va falloir que j'arrête de piocher sinon. Too much. Alors, est-ce qu'on mettrait pas une petite consacre? Ou est-ce qu'on mettrait pas un petit Tyrion Fordringue? Non, parce que j'ai trop d'armes en fait. Mettre ça. Allez, on y va. Non. Non. Ah, voilà qui va être intéressant ça. Double l'attaque d'un serviteur. Mon pote, tu vas vite te faire rouler dessus. Alors, on va aller péter ça du coup. On va bien garder ça camouflé. Pour l'instant en tout cas. Et on va mettre un petit régiment de... Non. On va remettre une championne. Voilà. Calme-toi toi. Les vilains. Allez, fais-moi piocher. C'est bien mon ami. Alors. Garde paix de l'Aldor. Ouais non, on va tout cramer, allez. Ah, l'intendant. Je l'attendais, lui. Pour la justice. Alors, bon, là, on est bien. La tisse-flamme. Bon, ça va être tranquille, là. Hein. On rappelle que c'est le normal, donc on est pas très, très... On est serein, quoi. On est plutôt serein. Voilà, 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 voilà. Allez, tiens. Fais-moi piocher.
Bon là j'ai très certainement gagné. Le seigneur du feu. Fais-moi piocher mon ami, voilà c'est ça que je veux. Alors, Tyrion Fordringue ou pas? Non, attendez. Là je pourrais le tuer, mais je sais qu'après il invoque Ragnaros. Donc attention. Mettre Tintin. Alors. Voilà. Alors, est-ce qu'il va... Oh, il met un petit géant de lave. Ah, comme c'est mignon. Bolos, va. Oh! Oh, t'es pas bien, mon frère. Alors. Ne me cherchez pas. Au combat! Au combat! Alors? Oh non, j'ai peur. Oh non. Oh bah non alors, contempler Ragnaros. Allez, TG. Hop, allez, au revoir. Ouais, allez. Au revoir, moins 44, t'as pris dans la bouche. Ah, ouais, allez. Au revoir. Vous avez réussi. La montagne est à moi. Calme-toi, parce que je vais te botter le cul, toi aussi. Et voilà, bon, Ragnaros. En mode héroïque, attention, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, et on a gagné du coup le Chambellan Executus, qui est une carte nulle, mais qui est marrante. Donc remplace votre héros par Ragnaros le Seigneur du Feu, qui a 8 de dégâts. Enfin, qui a 8 de points de vie et qui a le pouvoir, le même pouvoir, c'est genre pour 2, ça inflige 8 random. Allez, on va... Désolé, je suis un peu malade. On va faire les défis de classe et après on s'arrêtera pour cette vidéo et après on fera le mode héroïque. Pour ceux qui sont sur le stream. Alors, guerrier. C'est parti. Non, ça va être plus difficile en mode héroïque. J'ai dit peut-être plus facile, mais je suis trompé. Gare! Gare à vous! Ah, mais en fait, ils me donnent le deck que j'ai fait en fait. Ça va alors. Ils sont gentils. Bon, on va tout garder. Mode héroïque est vraiment hardcore pour le coup. Eh ben, on verra, on va voir ça. Oh, le robot baston. Bien joué. Magma. Bien joué. Cœur de pierre. Et merci pour le don. Don. Mister Ganondorf qui est là tout le temps pour détrôner les top donateurs. Mister Ganondorf qui donc a mis 6 boulas et qui dépasse Shexy, bravo. Bien joué, merci à toi. Et du coup je rajoute. En fait je mets Shexy et là je mets MR Ganondorf. Voilà, merci aux généreux donateurs, évidemment. Qui m'aident évidemment à affronter cette épreuve avec la plus grande des hardiesses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue lui le premier? Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas ça? Voilà, on est bien là. Attention. Et là, voilà, cette créature là, elle va déjà être énorme. Alors, je compte reprendre Hearthstone, c'est quoi la méta en ce moment? Je saurais pas vraiment te dire parce que j'ai pas trop joué en ladder cette saison. Ça change presque à toutes les saisons, donc c'est un peu compliqué. Et merci pour le don. Don. Putain, vous êtes les pires. Chexy qui repasse devant avec 5 et 7 euros égale 12 euros. Je suis beaucoup trop fort en calcul mentatatal. Alors, qu'est-ce que je fais là? Le problème c'est que ça va mourir, c'est trop chiant. Bon bah tant pis. Ça allait mourir de toute façon au prochain tour.
Donc je suis déçu. Je savais pas que ça cumulait. Bah si, ça cumule. C'est genre, imagine, c'est le don. Tu fais un don de 5€ et après t'es en mode. Bah je fais un don de 7€, mais le 5€ d'avant, bah ça compte plus, tu sais. Bon, stop là, s'il te plaît, mec, c'est chiant. Bon, j'en tue deux. Attention, il va tout cramer. Les autres dragons, ça pue la merde. Et oh, merci pour le don. Non mais, don. Et Mister Ganondorf qui remet 8 boulas, ce qui fait 14 boulas. Lol. Les mecs sur YouTube, ils vont être en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Merci à toi, Mister Ganondorf. Alors, du coup, parce que moi je ramène plus le game là. Hop, hop. Prêt à lancer. Mais tais-toi, toi. Lui il m'énerve parce que je vais lui casser le cul après. Je vais lui botter un peu les fesses. Tac, tac, tac. Il a que ça, c'est que ça, c'est ça en fait. Alors le truc c'est que là ça va trop pop en fait. Donc du coup en fait je vais même pas pouvoir pop les trucs. Et merci pour le don. Don. D'accord, bon. Eh bien il y a Franky avec un I et un Y qui vient de vous mettre d'accord. Franky comme ça. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Ah si, c'est I et Y. Et merci pour le don. Don. Trop tard, je suis ici. Vous êtes tellement en guerre. Merci en tout cas Franky pour les mais putain j'arrive pas à changer pour les 20 boulas. Les 20 boulas et Chexy qui a redonné mais du coup il s'est fait battre par Franky. Chexy, garde ton argent pour m'inviter à manger, voilà. Je sais pas pourquoi m'inviter à manger mais oh là, oh là, oh là, il y a beaucoup de mecs là. C'est pas grave, on va taper. L'arnaque. En plus Chexy, je devais aller manger chez elle il y a genre 7 mois et j'ai jamais entendu parler hein. Venez par ici. Bon là on a gagné hein. Xari me drague, non je crois pas, non. On va se calmer Chexy. Je sais que c'est ton rêve mais non. Alors on a gagné là. On a gagné le défi de classe qui était. Et merci pour le don. Don. Bon, attendez, je finis le game. Quoi? Oh, les têtes bouger. On a gagné. Et Emmer Ganondorf, le boss qui repasse. Il avait combien? Je sais plus. Merde, je sais plus combien il a mis. Oh, je me suis perdu dans les dons. Attendez. Lanceur de hache a gagné. Bien joué, joué, joué. Alors attendez. Désolé, il faut que je regarde un truc. Parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ah oui, il a mis. Pour... Ganondorf, lui, il sait compter en fait. Donc il met toujours un de plus en fait. Bien joué. Voilà, bah en tout cas, ce défi là c'était marrant, mais au final il a fait le même deck que moi j'ai fait, que j'avais repris, donc c'est pas mal. Et là, Orion de lave, donc pour Shaman. Alors c'est parti, Shaman contre Baron Guédon. Ouh, ça va être relou ça. Contre Baron Guédon. Et après on t'arrêtera la VOD ici, on fera... on regardera un peu les trucs en mode héroïque. Le Baron Guédon. Au marteau du destin. Ok, bon, on va tout garder, allez. On va tout garder, il y a moyen de s'amuser là. Je sens que je vais me le faire tuer instant ce truc. Mais élémentaire de terre. Oh non, mais t'as pas loin. Oh, trop relou.
Avec un peu de chance, il va être con. Et il va pas le tuer. Avec un tout petit peu de chance. Ah bah il me le tue comme ça, d'accord. Non. Alors, élémentaire délié. Y'a que des cartes chaman au moins. Alors calme-toi tout de suite toi. Et merci pour le don. Oh non. Oh non, j'avais oublié. Oh non. Oh, je suis désolé. C'est... Oh, y'a Francky qui a rajouté quelque chose et en fait on l'a pas vu parce que j'avais tout, j'avais enlevé le truc. Alors du coup je suis déçu. Alors je suis désolé Francky, ça n'est pas apparu en live. Mais tu m'as donné 2€. Merci à toi, tu es repassé devant. Avec 22€. En fait je vais faire des copier-coller au bout d'un moment parce que Francky. Voilà. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que je fais, merde? Parce que j'ai joué. Ah oui, c'est bon, j'ai joué ça. Bon, on va agresser. On va agresser, on est comme ça. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, mortel. Ok, donc ça, je m'en carre. On va faire ça. On va faire ça. Allez, boum. Oh non, explosion de lave. Quoi? Il est con. Oh merde, j'avais pas tout consommé. Quel bolos. Merde, merde. Normalement on a gagné. Normalement on a gagné. Ah normalement on a peut-être pas gagné. On a gagné. On a gagné. Et hop. Voilà. Alors petit résumé du coup de cette deuxième aile. Plus dur. Ah, j'ai gagné une quête en plus, pas mal. Plus dur que la première. Bien plus dur quand même, parce que même en normal c'est pas difficile, mais il faut faire attention, je pense. Moi j'avais les bons decks dès le début, donc ça allait. Mais assez marrant en tout cas. Les défis de classe assez simples, donc ça va. Moins marrant que le défi de classe mage avec que les portails et tout, mais c'était sympa. Donc voilà, c'est la fin de la VOD. Merci d'avoir suivi. Dites-moi ce que vous avez pensé de la deuxième aile. En tout cas, si vous avez eu du mal à la faire ou pas en normal. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'aile en héroïque, je l'espère. Comme je disais dans la première vidéo héroïque, je mettrai que les vidéos en mode héroïque si j'arrive à les faire en fait. Parce que genre Naxxramas, vous voyez, j'ai pas fini en fait. Pour ceux qui... voilà, Naxxramas, j'ai pas tout fait. Et en plus, il y a une aile qui a disparu. Alors ça, c'est le bug de l'infini. Genre le quartier militaire, je dois le racheter, je sais pas pourquoi. Donc je suis un peu au fond. Bon, je le rachèterai jamais, je pense. Parce que faut pas déconner. Donc je sais pas pourquoi je l'avais acheté. J'ai les cartes de Naxxramas, mais le truc a disparu. Donc voilà, je suis un peu au fond. Donc voilà, donc si j'arrive à le faire bien en héroïque, ben, je vous ferai la vidéo comme la semaine dernière. Et voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire. Vous connaissez la chanson. Ciao, t'as plus.